Il y avait du très beau spectacle ce week-end du côté du parc des Oudéry à La Roche-sur-Yon avec le 9e national de La Roche qui avait lieu donc tout le week-end. Un grand succès encore avec plus de 600 équipes qui ont pu évoluer sur 128 terrains installés. Les organisateurs ont dû refuser même des inscriptions. On retrouvait comme chaque année des équipes professionnelles et des grands noms de la pétanque, champion d'Europe, champion du monde. Il y avait notamment Christian Fazzino, élu joueur du siècle en 2000. Il était accompagné de Denis Olmos et de Frédéric Paéret. Christian Fazzino, c'est le joueur que vous allez voir avec la casquette et les lunettes sur ces images. Il a disputé donc la finale face à la triplette Patrick Rang, Sébastien Rousseau, Christophe Sario. Finale très spectaculaire et indécise jusqu'au bout. La partie a duré près de 2h30. Menée au score pendant une grande partie de cette finale, l'équipe de Christian Fazzino l'emporte finalement 13-10. Le public très nombreux s'est régalé. C'est donc encore un beau succès pour les organisateurs et les 200 bénévoles issus de 6 clubs de pétanque de La Roche-sur-Yon qui vont maintenant préparer la 10e édition en 2015.